EDF est en train de me détruire et de me broyer. Je m'appelle Arnaud Bégin, je travaille à EDF depuis 25 ans. J'ai été responsable de la sûreté de 2 réacteurs nucléaires, puis inspecteur à la sûreté nucléaire. J'ai toujours fait mon métier que j'aime avec la plus grande conscience professionnelle. Durant les inspections que j'ai menées sur 2 centrales, notamment celle de Tricastin et de Dampierre, j'ai pu observer et consigner des problèmes de sûreté et de non-respect des règles. À cause de cela, depuis 2018, j'ai été isolé, harcelé, placardisé. On m'a empêché d'exercer mon métier. Je ne peux pas vous raconter tout ce que j'ai subi, mais ma santé est atteinte. Et maintenant, je suis menacé de licenciement. C'est injuste et je me bats contre cela. Je veux retrouver ma dignité, la dignité d'un père de famille, d'homme qui travaille, d'homme libre, épanoui dans ce qu'il fait. Mais EDF ne veut pas. En fait, EDF est en train de me détruire et de me broyer. Je ne me bats pas seulement pour moi, mais pour d'autres salariés qui, comme moi, sont harcelés et parfois brisés. Une pétition des travailleurs a été lancée. Et par ailleurs, ce qui est en cause, c'est avant tout votre sûreté. Les centrales nucléaires sont des machines impressionnantes, mais qui peuvent être aussi dangereuses si on ne les surveille pas très attentivement. En tentant de briser un inspecteur de la sûreté comme moi, c'est la sûreté des centrales qu'on remet en cause. C'est les accidents graves qu'on rend possibles, c'est la santé des Français qu'on menace. C'est pourquoi je ne me tairai pas, je continuerai à lutter pour la justice et pour la plus haute exigence en matière de sûreté nucléaire. Merci de votre attention et surtout merci de votre soutien.